Salut les gars, c'est Nathan Lévesque. Aujourd'hui on est sur la chaîne de Macadam Shop et je vais faire mon petit scooter check de 2022. Ma trotte je l'ai racheté juste avant 2022 et je commence avec un petit deck Lucky Jaden Charman 49,5 je crois de long par 10,5 de large. Il est très bien, hyper maniable pour le parc, franchement c'est une dinguerie hein. Franchement après pour le street c'est un peu compliqué. Ensuite deux petits trous Diamond, les nouvelles bicolores. Ouais, c'était Diamond, hein, pas cher, elles sont bien. C'est bien. Ensuite, une petite fourche Mero V2. Celle-là, elle date, hein, ça fait 3 ans que je l'ai. Franchement, elle est bien, elle est légère. Bon, après, c'est du SCS, mais voilà, on reprend du poids sur le SCS. Et le SCS, c'est un Blunt Omen. Donc, pas cher, il est super bien. Franchement, pas de problème avec, c'est vraiment bien. Et du coup, une petite barre éthique Tenacity, elle est super légère, T-bar, elle est en acier chromoly, je crois, avec des poignées blunt, hein. Moi, comme d'habitude, toujours blunt, poignées longues, molles, c'est super bien enroulé, je kiffe. Le deck en dessous, il est comme ça, voilà, donc des petits graffitis de Jaden Charman, bon, moi, on va sûrement plus trop les voir. Ah si, oui, oh, ça se voit, oh, en même temps, je vais pas t'enrouler, hein. Et bah tout ça là, ça fait une trotte qui fait un bon 3,5 kg. Du coup, c'est bien, c'est léger, en même temps c'est stable, parce que moi j'aime pas les trottes trop légères. C'est parfait pour moi. Bah voilà les gars, hein, c'est mon scooter check qui est terminé. Je vais aller faire des petits tricks dehors. Et n'hésitez pas à vous abonner au Insta de Macadam, à la chaîne YouTube de Macadam, à liker la vidéo, à la partager, tout ça dans vos stories. Et bah voilà, hein. Salut les gars.